Guerre des virus. Théâtre vide. Auteur et metteur en scène. Ivre. Auteur. La guerre des virus. Comment la décrire? Metteur en scène. C'est ton job. Tu es payé pour cela. Auteur. Avancé. Inconnu au visage masqué. Combattant de l'invisible front, ou bien. Les grandes guerres de l'humanité dégoûtent sur la pierre brûlante les terreurs de la croissance, le crime de l'amour qui nous fait vivre en couple et de la planète fait un désert en la peuplant. Metteur en scène. Et comment vais-je montrer ça sur ma scène? Auteur. Pas la moindre idée. Que représente la scène pour moi? Metteur en scène. Dieu est le monde. Auteur. Dieu est peut-être un virus qui nous habite. Metteur en scène. Que veux-tu? Que je te mette 2000 vieillards sur la scène avec barbe blanche, numéro 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 2000. Va au cinéma. Les virus se comptent par milliards et notre théâtre est un hospice. Auteur. Il y a 20 ans à Brooklyn, à un homme dans la rue, j'ai demandé une rue et il m'a dit « That's your problem ». Metteur en scène, cet homme a raison, je ne peux que l'approuver. Auteur, j'ai écrit un poème. Metteur en scène, se bouche les oreilles en gémissant, récite-le. Auteur, mortel à l'humanité sa rapide multiplication. Chaque naissance une mort de moins, le meurtre un cadeau. Tremblement de terre, espérance du monde. Chaque typhon une espérance, loué soient les volcans. Hérode et non Jésus connaissaient les voies du monde. Les massacres sont investissements dans le futur. Dieu n'est ni homme ni femme, c'est un virus. Tu ne m'écoutes pas. Metteur en scène, exact. Et pourquoi le ferais-je? Nous sommes au théâtre.